par qui le recevant l'Esprit Saint soit toujours avec nous. Merci, Monsieur le Curé. Merci de nous recevoir dans votre Église. Nous sommes là pour la plus grande part pour recevoir ces jeunes qui vont être recevoir le don de l'Esprit Saint et de la confirmation. C'est une grâce qui nous est faite à chacun d'entre nous. Par notre prière, par notre présence au pied du Christ, nous allons implorer, demander au Seigneur qu'il vienne comme le soleil durant cette célébration. Vous n'êtes pas le soleil physique, mais au moins le soleil de Dieu qui vient répandre sa lumière en nous. À chacun de nous, à chaque confirmé, le Seigneur Jésus veut redire « Mon esprit est avec toi » pour t'aider à vivre selon ma parole. En même temps, nous reconnaissons au début de cette Eucharistie que nous ne sommes pas toujours aussi fervents, pas aussi joyeux en ce jour, et nous demandons au Seigneur qu'il vienne nous accorder son pardon.
firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons. Jésus dit à Simon, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prends. Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole. Fêter la confirmation, c'est fêter plein d'amour. C'est fêter l'amour de l'Église, c'est fêter l'amour de la jeunesse de l'Église, c'est fêter l'amour de Dieu. En fêtant fêter l'amour de la vie intérieure, c'est fêter l'amour de la mission, c'est fêter la joie de faire connaître le Christ. Ce qu'on pourrait dire rapidement sur cette fête de la confirmation. C'est fêter aussi donc l'amour de la parole de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui. Le premier point dans ce passage du livre d'Isaïe, qui est surprenant, c'est la démesure. On nous dit que le temple était rempli de fumée. On nous dit qu'il était rempli du pan du manteau de Dieu. La vie intérieure, la vie spirituelle, c'est une manière de voir l'immensité du monde, alors que trop souvent, le péché, nos vues humaines, le réduisent. Je vais essayer d'expliquer cela. Pendant votre temps de préparation à la confirmation, vous avez pu voir les dons de l'Esprit. Certes, chacun d'entre vous a travaillé là-dessus. Chacun, peut-être, s'est identifié ou a dit peut-être que ce don de l'Esprit Saint correspond à ce que je suis. Et en même temps, aujourd'hui, vous êtes 25, 24, donc ce n'est pas uniquement vous. C'est bien, en quelque sorte, le miroitement du diamant de la foi de l'Église. Chacun d'entre vous, chacun des baptisés, nous vivons quelque chose du mystère de Dieu, de la vie spirituelle, et nous avons besoin des autres. Si nous sommes tout seuls, nous réduisons profondément cet acte. C'est pour cela que l'évêque, dans la lettre qu'il nous a écrite, a dit « Ne soyez pas isolés. » Des gens aujourd'hui craignent la solitude, de vieillir seul, de ne pas rencontrer l'amour. Le chrétien, lui, doit craindre une sorte de solitude, c'est de se couper de ses frères. C'est pour cela que l'évêque vous invitait à l'Eucharistie les dimanches, vous invitait aussi à recevoir le sacrement du pardon. Parce que, même si nous avions beaucoup de prêtres, et un certain nombre de prêtres sont venus par amitié spirituelle avec l'un d'entre nous, mais on ne fait pas la messe uniquement pour une personne, et pas uniquement par économie, parce qu'on n'a pas cette prêtre. Parce que dans la nature même de l'Eucharistie de l'Église, il faut qu'on soit multiple. C'est pas uniquement parce qu'on n'a pas les moyens. Et le sacrement de la réconciliation est là parce qu'on sait bien que dans la vie d'Église, tout n'est pas simple. Il y a l'idéal, et puis ensuite il y a madame un tel, monsieur un tel, ce qui est trop juste, trop faux, trop fort, trop si, etc. Et donc nous avons besoin du sacrement de la réconciliation pour être réconcilié avec nos frères et avec Dieu. Le péché réduit les choses. Et on voit dans ce texte d'Isaïe que, au contraire,
soif et le désir d'un autre monde et d'un dernier fond, d'une plus grande immensité. Et à travers les dons de l'esprit, nous célébrons une reconnaissance et d'amour pour ce qui vient de Dieu, qui sans cesse étend, élargit, approfondit. Dans ces textes d'Évangile, enfin de la parole de Dieu d'aujourd'hui, on rencontre aussi la faiblesse humaine. Puisque Isaïe dit au départ, je suis un homme pécheur, l'homme ou la femme devant Dieu, devant le soleil, reconnaît ses obscurités. Et non seulement chrétienne, mais il dit, je suis pécheur au milieu d'un peuple de pécheurs. Et on entend à nouveau aussi, à plusieurs reprises, la petitesse, la fragilité, Saint Paul qui dit, car moi je suis le plus petit des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et on retrouve cela aussi à nouveau dans le texte de l'Évangile, Maître, nous avons béni ta vie sans rien prendre. Ma grâce seule me suffit. C'est la devise de notre évêque qui l'a reprise aussi à Saint-Paul. J'ai dit que j'avais confirmé aujourd'hui, et on m'a dit c'est un temps fort de grâce. Évidemment que le péché, nos limites humaines, nos fragilités sont là, et nous ramènent sans cesse à nous-mêmes et à ce que nous pouvons pas faire. Mais en même temps, on voit dans la première lecture d'Isaïe que le Seigneur arrive à retourner, à convertir, à faire un volte-face à Isaïe. Moi, je serai ton messager, envoie-moi. C'est dans la mesure où nous avons une vie spirituelle forte, intérieure, que nous pourrons sans crainte aller vers les autres. Les autres humains ne sont pas les ennemis. Nous pouvons connaître nos propres fragilités, mais le Seigneur vient étendre son manteau sur nos fragilités. Vient nous couvrir du manteau de sa grâce. Et c'est ce que la Vierge Marie a très bien compris. Que tout soit fait selon ta parole. Aujourd'hui, peut-être que nous voyons nos fragilités, vous les jeunes, qui allez être confirmés, en disant voilà, je suis plein d'ardeur aujourd'hui, est-ce que je serai lieu toute la vie? Est-ce que je serai suffisamment fort pour être fidèle aux promesses de ce jour? Moi, je dis oui, parce que ça ne repose pas que sur vous. Ça repose les uns sur les autres, les uns sur les autres, sur vos familles, vos accompagnateurs. Ça repose aussi sur Dieu. Vous êtes capable. Nous pouvons voir tous les appuis qui sont à notre disposition. Je parlais de la vie spirituelle. Dites-vous, qui peut être mon guide? Si je ne sais pas, qui peut me tenir de l'enfer? Qui peut être mon appui? Vous avez la chance d'avoir quelqu'un de prêtre à votre côté, d'animateur, de valeur, de parent. Si vous vous sentez seul, sur qui puis-je m'appuyer? Nous sommes baignés dans un monde où Dieu n'est pas la première chose qui vient à l'esprit. Mais regardez autour de vous, qui garde le cap de Dieu? Qui a la bonne boussole et fédérez-vous à l'éternité de la vie? Si vous avez soif de la vie intérieure, dites-vous qui peut être mon guide et n'ayez pas peur d'être des débutants. On dit toujours que c'est le premier pas qui compte. Dans la vie spirituelle, il y a plusieurs échelons. Et nous ne sommes pas condamnés à rester toute notre vie sur le premier barreau de l'échelle. C'est ce que le Seigneur souhaite. Une vie intérieure forte pour aller vers les autres sans crainte. Et c'est ce qu'on appelle la mission. Alors évidemment, ça paraît un grand mot. Nous sommes ici dans une paroisse dont le saint patron est Saint-Just de Poitiers. Vous avez sa statue, où je fais les trois francs en Corée, et il n'y a pas si longtemps.
pas avoir peur des autres. C'est le début de la mission. C'est l'aspect d'entamer avec chacun des autres un dialogue. Donc on va parler de la pluie, du temps, de la neige, du verglas. Mais parler du salut. Si vous aimez le Christ, et c'est ce que je disais tout à l'heure au début de cette homélie, la confirmation, c'est fêter l'amour de Dieu, fêter l'amour de Christ, fêter l'amour de la parole de Dieu, fêter l'amour de l'Église, fêter l'amour de la jeunesse de l'Église. Eh bien, n'ayez pas peur de dialoguer avec d'autres. Dans la mesure où nous aimons le Christ, cela transparaîtra. Pas uniquement grâce à nos efforts, mais pas sans eux, parce que le Seigneur agira. Cette journée mondiale des malades, nous te confions notre entrée en carême ce mercredi. Que notre communauté paroissiale et que chacun d'entre nous en particulier, nous puissions être attentifs à ceux qui sont marqués par de lourdes souffrances, échecs personnels, solitude ou maladie. Seigneur, nous te prions. Que ceux qui ont la responsabilité de la gouverner puissent être éclairés par leurs décisions, par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions. Esprit de Dieu, Seigneur.
tu as voulu que par eux et leurs successeurs, qu'ils soient transmis à tous les autres fidèles. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre de l'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus le Christ, notre Seigneur. Qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie.